Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va tester, enfin, c'est pour ça que j'ai acheté la plancha. On va tester de smasher un burger. Donc smasher c'est quoi? C'est écrabouiller un maximum le steak pour que ce soit limite une croûte en fait, tu vois. Une croûte et que ce soit fondant à l'intérieur, un peu comme les burgers à l'américaine. J'avais déjà testé sur la poêle etc. Mais tu sais, ça atteint pas une chaleur suffisante. Tu me chamboules à tourner comme ça partout. Ça atteint pas une chaleur suffisante pour que ça fasse une petite croûte, tu vois. Sauf que la plancha les amis, ça monte jusque 300. Du coup, on va essayer ça pour la première fois. Et puis, on va déguster ça avec Pizzy. J'ai tout préparé. On va faire un burger simple, en vrai de vrai. Hein. C'est du pain un peu brioché, des petits steaks classiques, une sauce, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Salade tomate avec des oignons. Et puis, on va dégommer. Avant toute chose, on n'oublie pas quoi? Les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Le créateur Valouz, les gars. Pour cette recette, c'est simple. La sauce secrète, c'est ce qui va tout faire. Dedans, il y a quoi? Il y a du ketchup, de la mayo, du piment d'Espelette avec de la moutarde à l'ancienne, des petits cornichons et du jus de cornichon. C'est une sauce que j'avais déjà fait. Il fut un temps quand j'avais reproduit le burger check-check. En vrai, la sauce, en général, je la fais tout le temps, elle est trop bonne. Du coup, bah, j'ai regardé mon ancienne vidéo et j'ai refait la recette, les gars. Je vous la mettrai dans la description. Vous allez chamboule comment j'ai changé. On peut dire que du coup, tu t'es inspiré d'une de tes vidéos. Ouais, je me suis inspiré. D'une de tes recettes. C'est ça, je me suis inspiré d'une de mes recettes. Bon. Attends, je vais goûter la sauce. Oh putain, je sens déjà le burger. Sauce faite. Nous allons faire, en vrai ça va être hyper rapide puisque j'ai déjà tout préparé. On va faire les steaks. Je sais pas si ça va être une réussite, j'ai regardé des tutos ce matin sur YouTube. Mais en gros, bah tu poses la viande, tu l'écrases et tu mets du papier au-dessus. Tu l'écrases encore plus, c'est quoi ce bruit? C'est mon réveil. Mais il est là. 13h50. Pourquoi t'as un réveil? Non mais t'inquiète. Attends, elle est où? Hop, ah non, je vais faire au beurre. C'est du beurre ça? Ouais, c'est du beurre. C'était du fromage. Bon, je pense qu'il va se faire désintégrer le beurre hein, parce que là c'est à 300. Hein. Bordel. Oh bordel. Le beurre il s'est fait désintégrer. Let's go. Je mets ça au-dessus. Et là j'essaie de l'écraser au max. Je l'ai tellement écrasé que le truc il est plié. Gamme. Et en fait normalement ça fait une sorte de réaction qui fait que ça va faire une croûte. J'ai hâte de retourner pour voir ce qu'il y a derrière. On retourne. Wow. Olé. Il est bien fait, on dirait une semelle de McDo. Oui, c'est vrai hein. On dirait trop un steak de McDo. Hop, vas-y, je vais le mettre là en attendant. Il est trop beau. Le deuxième. Ok, le steak, vas-y, c'est parti. Wow. Tain, en vrai, 300 degrés, je pensais que ça allait vraiment genre faire un truc de ouf. Mais ça fait pas tant de bruit que ça. C'est trop satisfaisant d'écraser. Tu veux en écrabouiller un après? Oui. Bien. C'est trop beau, hein. J'ai hâte de goûter dans le burger ce que ça va donner. Hein. Voilà, hop. Ici, c'est à 50, donc en vrai de vrai, c'est juste pour maintenir la température. Je vais faire cuire les buns un peu. Allez, hop, on retourne ça. Oh là 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 là. J'ai oublié de faire un truc important en vrai. Attends, parce que là, c'est full... Ah, c'est bon. J'ai oublié de mettre le fromage. Hop, voilà. Ah, si tu maintiens la chose, ça va hop, je vais mettre ici. Et en fait, en gros, regarde ce que j'ai acheté. Ah, putain, j'avoue, j'avais pas prévu ça. C'est trop marrant. Tu veux faire le dernier? Oui. Tu poses, tu mets le papier, hop. Là, t'aplatis avec les deux trucs. On va vraiment finir par ouvrir une baraque à burger, tiens. Essaye d'aplatir un maximum un peu partout. Je peux l'enlever? Vas-y. Il est bien ou pas? Ouais, ouais, il est bien. Si. Attention. Ouh. On va se régaler, loulou. Ça, on peut le... Je peux le... Tu peux le retourner. Oh, mais il est parfait, tiens. Il est même encore mieux, je trouve. Toi? Bah ouais. Tu la bosses, en fait. Bah ouais, t'es un peu la bosse. Hein. En vrai, les buns, là, je vais les passer un peu vite en vitesse ici, comme ça, ils crament un peu. Je pense que je vais mettre lui au-dessus. Mmh.
Oh bordel de merde. Merde, c'est comme en 2-2, wesh. Oh. 300 degrés, ça ment pas. Hein. Là, il faut parfait. Hein. Bah, ça, c'est à 50 ici. La petite sauce secrète. Hop. Il y en a un derrière. Ah, bah là, ça va faire saliver, là. En vrai, ils sont pas si grands que ça. Bah, franchement, ouais. Ça va en fait. Le deuxième steak. Enfin, le deuxième, les deux en fait. Wow, ils sont mastards ceux-là. On va mettre une petite feuille de salade, une tranche de tomate, un peu d'oignon. Des petits oignons. Bon, bah, si t'aimes pas les oignons, t'es obligé de mettre des oignons. Ouais. Ça te donne envie, Tiff ? Je vais mettre le reste de sauce ici. Tadam ! Smash Burger ! Ils ont de la gueule, ouais ? Oui, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. J'ai trop peur que ça tombe. J'ai trop peur que ça tombe dessus. Hop. Attends. Mais Loulou, on bave pas sur les burgers, hein. Elle a deux doigts buggy, hein. Bug. Oh lolo. Vas-y, c'est la première goûter. Elle a l'air de te donner trop envie, hein. Alors ? J'adore, Loulou. Ah merde, j'ai pas pris de sopalin, j'avoue. Il y en a qui en a envie, hein. Mais les burgers, c'est mieux de les faire soi-même, hein. Bah, c'est comme tout en vrai, hein. Y'a vraiment pas photo, hein. Bonne app, les loustiques. Je dis vous parce que vous pouvez vous aussi manger en même temps que vous nous regardez, hein. Mec, il est fumant. Je crache le feu, il faut le goût. Ah bon, pourquoi ? Je me suis cramé la gueule. Eh oh ! Elle a léché ton burger, Loulou. Il est vraiment trop bon. Ça me tue parce que sur toutes nos vidéos, il y a Tiff qui est derrière. Des fois, je suis en montage et moi, je me rends pas forcément compte qu'il est derrière nous. Des fois, je le vois au montage. Dans mon burger, vu qu'il y a deux steaks, j'aurais dû rajouter du fromage. Ah ouais ? Ouais. On le sent pas assez. Je suis sûr que le tien il est meilleur parce qu'il n'y a qu'une viande et du coup tu dois sentir tous les goûts. Okay. Moi je sens plus la viande, montre. Ah ouais. Il a le goût de bien. Mais toi le loup il est vraiment mastoc le tien. Je sais même pas par où commencer. Ouais, trop de viande. Ouais, on sent trop la viande. En vrai de vrai, j'avoue que les gars... T'aurais dû mettre une viande. Des fois on fait l'américain, on met double viande etc. Mais je sais pas si ça rajoute réellement quelque chose. On dirait une bolo. Ouais, on dirait bien. Bah si, il est bon, mais il est moins bon que le tien. Bon. Mais franchement, une viande, les gars, c'est assez, hein. Mais je pense que maintenant, je vais essayer de faire des burgers petits, mais gourmets. Mm. Pas des gros bazars. Je vais vous faire une confidence, les gars. Les gros burgers food porn, etc., ça me donne plus envie. Vraiment. Je préfère les petits burgers à l'américaine, qui sont vraiment les petits burgers, tu vois. Un peu comme les cheats, genre. Déjà, un burger, déjà, ça doit se manger limite à une main. Ouais. C'est la règle numéro 1 pour un burger. T'es censé manger vite. Si tu dois manger avec des couverts, le burger, il peut être très bon, mais vas-y, c'est relou, tu vois. Après, un burger, j'avoue que tu dois sentir tous les goûts. Là, dans le mien, je sens les steaks, moi. Là, moi, tu sens tous les goûts, hein. Ouais, j'avoue. Tu sens vraiment tout. Il était vraiment réussi, en fait. Hein. Le mien, il était parfait, les gars. Bah, si vous voulez faire la recette, je vous conseille avec un steak, du coup. Après... Ça va pas l'air qu'il est mauvais, hein. La sauce est trop bonne. Ouais. Avec le fromage, c'est trop bon. Avec le pain, c'est trop bon. Enfin, donc, maison, ma gueule, hein. Et je me demande si c'est vraiment gras. Parce qu'au final, il y a quand même du steak. Ben, il y a de la salade, des tomates et un petit peu de pain. C'est plus la sauce qui rend gras et pour le peu que t'as un steak gras. Ouais, mais là, c'est pris... du 15%. Ah oui, t'as pas pris du 5. Non. Ouais. Bon, j'ai pris du 15% de matière grasse. Ça reste quand même un burger, mais l'avantage du maison aussi, c'est que tu sais vraiment ce qu'il y a dedans vu que c'est toi qui l'as fait, tu vois. Oups. Il me regarde avec une tête en mode, mais nous ? Bah, je suis désolé, frérot, j'ai oublié. Ah merde ! Bah, de tout ceci, ils sont trop deg. Il regarde le plateau, il voit qu'il n'y a plus rien. Mais attends, mais il le fixe. On peut donner des petits bouts qui traînent, peut-être, non ? Il va être content, un cornichon, là. Je suis d'accord. Tiens, 10 cornichons, mais c'est en... Je te jure, le burger, il avait ce goût-là. Mais attends, mais il y a vraiment le seum, je le connais. Ah là, ouais, là, il est deg.
Mais attends, je crois arriver à contrôler la confiance. Hein. Bah les petits potes, c'était simple, rapide, efficace, validé, recette, mais à faire chez soi. Bien que j'avoue, pour les smasher les burgers, il faut une plancha parce qu'il faut que ça monte à 300 degrés. Et encore, je trouve que je les ai pas totalement réussi. Ah ouais? Ouais, un vrai smash burger, c'est encore plus croustillant. Du coup, bah, ça veut dire qu'on est encore en entraînement, les amis. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Comme ça, au moins, je pourrais m'améliorer. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de dégustation, les amis. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Vous êtes les boss.